Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je fais une review Disney Fairy Tale Designer Collection avec le duo Elsa et Hans. Donc voici la boîte. On retrouve le logo Disney Fairy Tale en haut. Vous pouvez voir un dessin du duo avec un joli fond bleu. Ici nous avons leur nom. Alors voici un des deux côtés juste avec Elsa. Voici l'autre côté avec Hans. Voici le dessus de la boîte avec le logo Disney Fairy Tale. Et enfin, voici l'arrière de la boîte. Alors ici, on a du texte en anglais puis en français. Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire. Ensuite, nous avons le même dessin avec des gros plans. Alors ici, on a écrit superbement habillé avec des broderies travaillées sur la collerette, les revers, les poignets ainsi que les épaulettes. C'est pour Hans. Épée étincelante à l'aspect menaçant. La robe délicate et le corset givré brillent de mille feux avec la magie de l'hiver. Chaussures menues assorties de motifs de cristaux de glace. Les flocons de neige cristallins virevoltent et scintillent autour d'une cape glacée tourbillonnante. Donc voilà pour l'arrière de la boîte. Maintenant on va retirer le fourreau. Voilà. Alors j'ai commencé par vous montrer l'arrière. Donc on retrouve le logo Disney Fairy Tale, le même dessin. Et ici, le certificat d'authenticité, c'est le duo numéro 5111/6000. Donc voici ce duo qui est vraiment magnifique. Je vais commencer par Elsa. Alors bien entendu, elle a les yeux bleus. Elle a un teint nacré. Et elle a ses petites taches de rousseur. Elle a des cils implantés. Donc je vous montre un petit peu sur le côté. Voilà, du maquillage violet au niveau des paupières. Du fard à joues rose. Elle a sa tresse qui est assez longue. Et dessus, on a des petites pierres. Voilà. Donc, elle a une pose assez sympa, je trouve. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas mis un petit flocon dans sa main. Ça aurait été super sympa, je trouve. Voilà, donc sa robe, donc des neiges, vraiment magnifique. On a beaucoup de pierres incrustées. Que ce soit au niveau des manches et de la robe, ainsi que sur la traîne. Donc des manches longues, transparentes. Et sa traîne qui est vraiment magnifique parce qu'on a des broderies de flocons. Avec des petites pierres incrustées. Alors par contre, je ne peux pas vous montrer ses chaussures. Parce qu'on ne les voit pas. Et je sais que normalement, bah, elles sont belles. Elles sont un peu plus travaillées que les chaussures des autres poupées, des autres modèles. Ce qui est dommage. Voilà, comme je déboxe pas. On va passer maintenant à Hans. Alors, son visage. Donc, les yeux marrons. Les lèvres très brillantes. J'aime beaucoup son regard sur le côté. Donc, lui, ses cheveux ne sont pas implantés. Hein, c'est des cheveux en plastique. Ce qui est pas mal. Ensuite, voici son costume. Alors, j'adore sa veste. Avec beaucoup de broderies dorées. Voilà, sa chemise, son gilet. Son petit foulard ici. Voilà, il a des boutons un peu partout. Il a des gants blancs. Niveau des manches aussi, hein, on a au bord des broderies dorées. Et voici son épée qu'il met sur le côté. Voilà. Il a un pantalon bleu et il a des bottes noires. Et puis on les voit bien, ces bottes. Voilà. Donc voilà pour ce duo qui est vraiment magnifique. Je suis super content de l'avoir parce que c'était pas évident pour l'avoir sur le site. Donc ça rejoint ma collection. N'hésitez pas à aller sur ma page si vous voulez voir les autres duos. Donc si vous voulez voir les autres duos, je ferai aussi un récap dans la prochaine vidéo de tous les duos. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé. Vous pouvez aller sur ma page Twitter, Instagram ou Facebook pour avoir plus de photos. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Salut !